Allez mon cœur, on grimpe. Comment tu peux Sophie, Caroline, Caroline. Ça va? Thank you.
On y retourne, on y va. Thank you.
Encore là, celui-là. C'est de la persécution.
Et Christophe, il est où? Il est ici, chez moi, parce que je peux pas voir. Bah ouais, moi aussi, c'est pour ça que je récupère. Est-ce que t'as une mienne? T'as une mienne? Ouais, laisse-moi la petite chapeau. Il est où? Ça va me décoller.
Vous soignez la pourpre de monnaie.
la rate le pied et même qu'elle peut vous transformer en chien paillé. En ce lieu, roi de bien, ni mot doux de calembour, ni richesse ni amour. Ah, voilà. Vous allez rencontrer la grimeuse de tentation, la façonnière de poison, la faiseuse de perdition. Venez les seigneurs, les seigneurs, vous soignez la force de monnaie. La rate au pied, et même qu'elle peut vous transformer en cœur séché. Elle nous vient du Grand Nord. Oh oui. Elle va bientôt sortir de son ordre. Vous allez bientôt pouvoir admirer la terrible, le maléfique, unique, faiseuse de toutes choses. Oui, la dysenterie. C'était elle. Le choléra. C'était elle. La peste noire. C'était elle. C'était elle. L'humour de sa belle-mère. Eh oui, c'est elle aussi. La migraine de ta donzelle. Ah mais non, mais non, mais non. Ça c'est là, une pause. Oh pardon. Venez mes seigneurs, vous soignez la peau de monnaie. La rate au pied, même qu'elle peut vous transformer en macabée. Messeigneurs, messeigneurs, vilagueuses et moches gueules, surtout toi, veuillez faire vibrer votre luette afin d'acclamer comme il se doit la légendaire Razel, la sorcière. Regardez, regarde.
le tapis d'or. N'aie pas peur, viens. Il est là, c'est parce que vous avez de la bouffe, c'est pour ça qu'il adore la bouffe. Viens, j'ai une idée, maître. Oui, quoi? Ça va bien se passer, viens. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es gentil, hein. Oui, gentil. Oui. Regarde-moi comment je l'ai. Surtout le ragodin, c'est comme ça que je l'adore. Salut, Mercotte. On n'aura pas mieux ce soir, alors on va garder.
deux, trois. Mais où est le maître de la maison? Ok, ça vient. Alors pareil, hein, même chose que tout à l'heure, du coup je vous ai parlé de ce magnifique bouton de volume de vos cordes vocales. Là il est à 4-5 grand max. Poussez-le jusqu'à 11 sur le morceau, vous allez voir, c'est vraiment important. Ce morceau s'appelle, sans surprise, le maître de la maison. Sa charrue de vie serait-elle labourée des champs, labourée des champs. Où est donc la maîtresse de la maison? Elle fait la cuisine sans une farine, dans la boule en peau de magot. Et quatre magots. Thank you.
j'adore. À la fin de la journée, je peux plus enlever mes bottes. Cette chanson, c'est la chanson culture. On pouvait briller au repas de Noël avec ça. C'est une très ancienne chanson qui vient de ce pays, des pays scandinaves. Illégaleuse, scandinave. C'est l'histoire de Silly Brand. Silly Brand, il n'est pas de ce monde parce qu'il est... Ah là, je vous ai perdu. Il est mort. Vous allez y arriver, vous allez comprendre. Il attend sa fille sur une jument blanche sous un arbre parce que la jument est la créature à l'ère païenne qui emmène les âmes dans l'autre monde. Sa fille qui arrive au loin, elle ne le voit pas parce qu'elle est... Plus fort, s'il vous plaît, merci, aidez-moi. Voilà. Bravo. Merci, ça y est, il s'échauffe. Quand les enfants naîtront devant leur grand-père, l'un suivra Freya jusqu'au Valhalla et l'autre sera baptisé. En fait, cette très ancienne chanson raconte la transition entre l'ère païenne et l'ère chrétienne. Wir haben eine Hand, Stadt,
Suffer, don't you play a dog? I'll end up then in the suffer. The hunger suffer, don't you the whole song? In the end, so I'll go again on the internet. Merci beaucoup.
do the fucking sick, sick of a girlfriend and a man. It's that we have a human in my land, if I'm in a rut on your knees. If I'm in a rut on your knees.
Est-ce qu'on continue la soirée? Est-ce qu'on n'irait pas se coucher? Quel médiéval, franchement, 2023, on s'en rappellera. Vous êtes 1500, vous êtes joyeux, vous avez envie de faire la fête, vous vous êtes amusé toute la journée. Et bien, franchement, on sait pourquoi on fait ça et ça nous fait super plaisir. Donc, encore une fois, on va applaudir tout le plateau technique, les techniciens, les régisseurs, ceux qui s'occupent de faire que la fête se passe bien. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, voilà. Et dans un silence.
n'en pouvait plus d'attendre son chevalier favori. Elle se lamentait en haut de la tour. Oh, Lancelot, reviendras-tu un jour? Je me languis de te revoir. Oh, mon très cher, vas-tu enfin revenir? Tu es parti si longtemps à la quête de la Sainte Grolle. Oh, je revois encore. Guenilles, ils arrivent! Franchement, 2023, on se rappellera. Vous êtes 1500, vous êtes joyeux, vous avez envie de faire la fête, vous vous êtes amusé toute la journée. Et bien, franchement, on sait pourquoi on fait ça et ça nous fait super plaisir. Donc, encore une fois, on va applaudir tout le plateau technique, les techniciens, les régisseurs, ceux qui s'occupent de faire que la fête se passe bien. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, voilà. Et dans un silence. Ah, attendez, excusez-moi, il y a un petit souci, il y a un problème de micro. Je vais vous demander 2 secondes de patienter, vous réglez tout ça, on va reprendre. Et vous savez, c'est pas simple, les fois. Hein. Soyez sympa, hein. Ça arrive. Par contre, voilà, j'en ai envie.
Elle dit merci à moi, oui, vous savez, moi, je m'ennuyais un